Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, cherchez pas, en ce moment j'ai une seule et même coiffure. C'est une coiffure à l'arrache. Parce qu'ils sont hyper secs avec la température. Elle est où ma fille? Papa, il y avait juste mon café. Et tiens, tu peux me donner ça chérie, on va faire ça. Et saute pas sur ton marchepied toi. J'ai acheté du pain. Et alors, on va faire des fit muffins. Parce qu'on a eu ça, enfin Loïs a eu ça dans un colis. Deux œufs. 100 ml de lait, 65 ml d'huile. Attention. Sur mes pieds, attention mes pieds. Et des petits moules. 80 pour... Ils sont pas très beaux, mais ils sont bons. Hein. Fais voir ta tête, toi. Bon, Louis est parti bosser. Nous, on est dans le salon là. Mais on va s'habiller, on va prendre un Uber et on va aller au centre-co. Parce que c'est pas possible. Pourquoi? Ça va pas être possible, on va pas tenir la journée comme ça. Il y aura un Jamar, elle a envie de sortir. Donc, je pense que je vais aller à Vélizy 2. Il y a un cinéma. Il y a des magasins, du coup on va pouvoir faire quelques petits achats d'été, préparer les vacances, profiter des soldes, parce que le premier jour des soldes j'ai un peu peur qu'il y ait du monde. Mais bon, je me dis que je vais profiter d'avoir ce gros bidou pour pas faire la queue. De toute façon je tiendrai pas debout clairement. Voilà. Moi, je suis pas sûre que ce soit là, non, je pense que c'est encore là-haut. On est arrivé à V2. Il fait tellement meilleur dans la clim et là on va faire un petit resto dans les nouveaux restos. Là on va décider avec Eliora ce qu'on va faire. Bon, on s'est arrêté au Hanoi Café, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée du coup, mais bon, on va voir. Oui. Oui, mais si tu arrêtes de pousser à la table, ce serait mieux. Merci. Donc, qu'est-ce que tu as choisi? Des brochettes de poulet avec des frites. Et moi, j'ai pris une salade avec du poulet frit. Voilà. Maman. Bon, et ben écoutez, le Hanoi Café, c'était une catastrophe. Je ne le recommande pas. On a pris un sirop pour Eliora et ils m'ont fait payer. Le serveur avait honte. Donc je vous disais, le serveur avait honte parce qu'ils nous ont fait payer une petite bouteille d'eau pour qu'on puisse avoir le sirop. Donc jamais payé un sirop, 4 euros. Moi ils m'ont servi une salade avec de l'avocat pas mûr, donc immangeable. Mais pour vous dire, il y a des traces de couteau dessus tellement ça c'est pas terrible. Et Yora elle a pris des brochettes. Merci beaucoup. Et Yora elle a pris des brochettes qui étaient trop... Enfin bref, j'ai attendu une demi-heure mon addition, bref c'était trop nul. Sinon on a fait des petits achats pour Eliora depuis. Une paire qu'elle a déjà au pied, une paire de Nike, un peu sandales hyper légère. Non, regardez pas, mais... Pourquoi tu veux pas nous montrer tes chaussures? Mais si. Bon, j'ai pris deux autres paires que je vous montrerai à la maison. Et mamie est arrivée, du coup là c'est la pause goûter avec une glace pour Eliora et nous une granité. Eliora elle s'est pris... Non mais attends, tu vas salir ma robe avec ta cuillère. Eliora elle s'est choisie... Elle m'a mis de la glace sur le bras. Non, c'est dégoûtant, chérie. Eliora, elle s'est pris une glace vanille et caramel. Nous, on s'est pris des granités. Moi, j'ai pris passion et citron blanc, je crois. Et toi? Fraise orange. C'est bon, moi, j'ai pas goûté encore. J'ai goûté. Mais on sent plus. C'est trop bon, moi. Bon, ça y est, shopping terminé. On a fini par passer chez Auchan, mais rien à voir. On cherchait un truc pour maman. Un clips pour les ceintures de sécurité parce que ça lui fait mal à elle, donc elle met toujours ce clips quand empêche pas le bon fonctionnement de la ceinture, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? J'ai pris des livres pour Eliora parce qu'on renouvelle un peu les livres. Il faut
je fasse absolument du tri. Là, dans la... je vous montrerai le... ce que j'ai acheté le reste à la maison. Je pense soit quand elle dormira ou avant, je sais pas. Parce qu'il est déjà 7h30. Maman, j'ai jamais vu des papillons. T'as jamais eu de papillons? De... vu de vrais papillons, c'est ça? Non, mais peut-être que tu t'en rappelles pas. On verra, je sais qu'il y a la serre aux papillons en région parisienne. On verra si papa il veut nous emmener un jour. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une nouvelle vidéo sur Quoi de neuf bébé, je vous mets le lien en barre d'infos. Enfin, j'essaie de pas oublier. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on est passé chez H&M? On a acheté des trucs sympas, je vous montrerai. Faut que j'essaye, j'ai pris un short, je sais pas si ça va m'aller avec mes gros cuissots. On va voir. J'ai été chez Sephora parce que je voulais me prendre un masque pour les cheveux. Et la nana, elle m'en a, elle m'a amené rayon cheveux, genre il y avait que deux masques. Soit le Christophe Robin, soit le Eleonore Grey. Et en fait, les deux étaient à 50 balles. Et là, j'arrive en caisse et je tombe sur quoi? Sur le masque Coco and Eve. Donc clairement, c'était 16 euros. J'ai reposé le Eleonore et j'ai pris le Coco and Eve parce qu'il paraît qu'il est vraiment super bien. Moi, j'ai besoin d'un masque juste pour mes pointes. Donc je sais même pas, je suis même pas sûre que ce soit un masque qui se rince ou quoi que ce soit. Donc je regarderai et je vais tester parce que l'été mes pointes elles sèchent très très vite. Elles ont déjà commencé à sécher. Donc voilà, un peu pour l'histoire. Bon, on vient d'entrer à la maison. Je suis deg parce que la clim s'était arrêtée parce que Loïs devait rentrer pour vider la petite cuve, hein. Il y a une toute petite cuve, hein. C'est la condensation et, du coup quand personne la vide elle s'arrête. Du coup dégoûtée grave, elle s'était arrêtée donc il fait une chaleur de fou, hein ma fille. Et là je suis dans la cuisine et il faut que j'arrive à préparer un truc à manger au moins pour Eliora. Je vais préparer un concombre ma fille, ça te va de manger du concombre avec du concombre et du concombre? Non. Non. Faut que je prépare des concombres et autre chose. Ok, des concombres avec des fromages. Non, des concombres avec des spaghettis. Ramasse ça s'il te plaît, pas les pieds dessus. Des concombres avec ces spaghettis. Non, je vais pas faire des pâtes maintenant. Bon, on va faire un truc vite fait. Avec cette chaleur, on mange que du froid. Hein. Non, tu vas tout te salir, mon amour. Du coup, voilà notre petit repas. Il y aura Etoli. Nous, on a. Elle... Si elle ne mange pas pareil que nous, c'est parce qu'elle n'aime pas ça. Je lui propose toujours, hein, les gars. Donc concombre, tomate, maïs, avocat, betterave et crevettes. Voilà, voilà. Bon, j'en profite d'une petite pause dans l'épisode qu'on est en train de regarder pour vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Du coup, je suis passée chez Eram pour Eliora. Et il y avait une offre sur, en gros, si vous preniez deux paires soldées, vous aviez 10% supplémentaire. Du coup, j'avais pris deux paires de sandales, en plus des Nike qu'elle a portées toute la journée. Elles sont trop belles, les Nike. Elles sont trop belles, hein. Mais elles n'étaient pas soldées. C'est pour ça que c'est trop bien. C'est un peu cher, franchement. Après, vu qu'on va quand même pas mal marcher, j'avais envie qu'elle ait des trucs. Enfin, on va pas mal marcher, on va marcher. Mais j'ai envie qu'elle ait des trucs hyper bien foutus, quoi. Donc, du coup, je lui ai pris cette paire-ci, donc chez Ram. Elles étaient soldées à moins 20 ou à moins 30, je sais plus. En plus, là, c'est moi que vous voyez pas les chaussures. C'est les chaussures que vous voyez, chouchou, pas moi. Voilà, donc elles sont comme ça, je les aime bien parce qu'elles lui tiennent bien la cheville et qu'elles ont une semelle un peu épaisse qui englobe bien le pied. Un peu mode Birkenstock, mais c'est pas des Birkenstock. Et celle-ci qui était à moins 40, donc qui passait à 15 balles, autant vous dire que j'en ai profité. Hop, et c'était la dernière paire. Puis elle brille. Voilà, je me suis dit, vous voyez, elle brille et du coup, elle voulait des chaussures qui brillent. Donc ça, c'est bien pour Paris, pour l'école, pour là, c'est nickel. Les sandales aussi, elles sont bien. Du coup, voilà, elle pourra sortir ses chaussures. Hein. Qu'est-ce que je vous dis, hein. C'est ma fille. Ensuite, j'ai pas fait non plus des folies. De folies. Parce que ma mère lui a pris quelques trucs chez H&M. Si, je lui ai acheté des livres, moi. Elle a pris un livre en anglais, donc j'apprends l'anglais. Donc c'est un livre audio, voilà, avec des petites pastilles, il parle anglais. Et elle a choisi trois monsieur, madame. Alors monsieur, madame et le goûter d'anniversaire. Monsieur anniversaire, elle est, voilà. Et monsieur, madame aux États-Unis pour rester dans le thème de nos vacances de cet été. C'est trop chou, hein. Alors chez H&M, ma maman lui a pris... Le tri, hein. Un t-shirt qui change de couleur
comme ça avec le papillon. Et un t-shirt qui change de couleur sur la thématique des aristochats. Parce qu'elle adore. Et mamie lui a fait aussi une brosse Reine des Neiges. Parce qu'Elura adore ce genre de petites choses. Qui était 1,99€, donc on s'est pas ruinés. Et moi je me suis pris. Je voulais absolument un chapeau que je peux mettre dans ma valise et pas me trimballer à la main. Et du coup j'ai trouvé celui-ci en solde à 6,99€. Hein, tu vois chérie, je suis hyper raisonnable. Oh ouais. Hop. Voilà, en plus je peux en faire ce que je veux. Tout est bien dans le bien, meilleur des mondes. Tu vas pas me faire comme hier, hein. J'aurai le droit de voir la fin de la série aujourd'hui. Oh, c'est pénible. Bien sûr, bah hier je t'ai mis sur pause. Hein. Oui, et après j'ai éteint la télé. Voilà. Je me suis trouvé une ceinture parce que j'aime bien les ceintures chez H&M. Les ceintures? T'aimes bien les ceintures toi ou pas? Est-ce que t'aimes bien les ceintures? Moi j'adore les ceintures. Toujours dans ma... Et j'ai pris ça, c'est un peu... Elle est un peu différente, mais du coup, là, comme je suis enceinte et que j'achète des trucs trop grands, et ben, ça me permet de cintrer les fringues. J'aimais bien celle-ci. Ah, il y aura, je lui ai trouvé ce petit pantalon. Regarde comme il est trop cute, lui. Ouais, il était soldé à 4,99€. Il est hyper léger, elle va être trop vraiment bien là-dedans. Même pour le soir, tu sais, à Miami. Grave. Parce qu'on part à Miami. Oh, faut que je m'occupe de vous montrer comment j'ai organisé mon voyage. Alors. Je me suis pris un short, je l'ai pas encore essayé, mais je voulais un short parce que j'ai très chaud. Donc j'ai trouvé ce short là chez H&M en mode short de femme enceinte. Je voulais bien voir ce que ça donne. Après honnêtement, quand je vois les bandeaux comme ça, moi je me dis ce bandeau là il est trop court, il sert à rien. Ils font des petites économies sur des bouts de tissu et ils vendent ça super cher parce que ce short était à 25€. Donc je trouve que c'est super cher pour du H&M déjà. Bref. Et sinon, la dernière fois, j'ai pris un autre short pour Edura que je mettrai demain, tiens. Il y avait un short rouge là, trop cute. Il y a un petit cœur doré là. Il est dans une matière style lin, mais c'est pas du lin, ça doit être du coton. Viscose, voilà. Voilà, 100% viscose, mais bon, c'est rouge, elle adore ça. Et moi, je me suis repris des chemises un peu comme la bleue que j'ai, je l'ai pris en jaune. Alors, je les prends en taille 40, ça me permet d'en faire ce que je veux. C'est-à-dire de mettre une ceinture pour cintrer, de faire des nœuds dans tous les sens, voilà. Et puis surtout, je pense que je vais pouvoir garder toute la grossesse. Donc je l'ai pris en jaune comme ça, la même que la bleue que j'ai déjà. Et j'ai trouvé celle-ci aussi, qui est en bleu-gris comme ça, avec des rayures un peu plus fines. Et je trouve que ça rend super bien. Et c'est tout. Ah si, je suis passée chez Sephora, je vous ai raconté. Donc la nana... chez Soch. Non, chez Sephora. Elle pas chez Soch alors. Donc la nana, je lui demande un masque pour les cheveux, elle m'en propose 2 à 50. Elle m'en propose 3. 2 à 50, 1 à 100 balles. Donc je fais bon, bah. Je vais prendre celui à 50. Et j'arrive en caisse. Et je tombe là-dessus. C'est quoi ça? C'est un masque pour les cheveux, mais au lieu de le payer 50 ou 100 balles, j'ai payé 15€. Parce que celui-là vaut beaucoup moins cher et il paraît qu'il est super bien. Je sais qu'ils ont de mauvaise presse parce qu'ils ont fait beaucoup de campagnes, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. J'ai quand même demandé, il paraît qu'ils sont super bien, donc je vais les tester et je vous en donnerai des nouvelles. Sachant que c'est pas un grand format, hein, c'est un format 68ml, donc c'est pas énorme. Je vais regarder comment ils fonctionnent. C'est sur cheveux humides, je crois. Enfin, je crois que c'est sur cheveux humides. Bon, je vais regarder un peu comment ils fonctionnent et puis voilà, c'est ça. Laver les cheveux. Ah, c'est avec rinçage. Ouais, c'est chiant. Après, je le ferai après le shampoing. C'est pas grave. Je voulais un masque qui se rince pas, mais je prendrai, je pense, en plus une huile pour l'été. Une huile. J'ai une huile, cela dit, qui marchait bien l'été dernier. Donc voilà un petit peu le shopping de la journée. Je voulais prendre des shorts pour Loïs, mais vu qu'il change de taille tout le temps, je ne sais pas quoi lui prendre. Faudrait que tu viennes avec moi pour choisir des shorts. Il fait comme ça, il est en train de jouer sur son jeu. Enfin voilà, moi je vais clôturer le vlog maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!